Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit projet que j'ai réalisé il y a peu de temps. Alors c'est pour ça qu'on s'est mis dans une ambiance un petit peu plus feutrée, un petit peu, voilà, lueur du soir. Parce que justement, ça va être un petit projet sur la lumière. À la base, c'était pas du tout prévu pour être utilisé au niveau de l'impression 3D. Mais vous allez voir qu'il y a moyen de détourner son but premier pour une utilisation autour de l'impression 3D. Alors voilà, je vais essayer de vous mettre un peu dans le contexte de l'idée du projet. À la base, je possède donc ici un casque virtuel, donc qui est le Quest 2. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible et vous montrer plein d'exemples pour que vous puissiez comprendre le plus facilement possible. Pour ceux qui connaissent, si j'utilise pas des termes ultra techniques, c'est volontaire. C'est vraiment pour que le plus grand nombre puisse comprendre le principe. Nous sommes en automne, on arrive doucement vers l'hiver et les journées se raccourcissent de plus en plus. Donc nous arrivons dans une période où il fait très vite noir et le casque a besoin de lumière pour fonctionner. Les caméras fonctionnent avec un système de caméras infrarouges. Dans les manettes, il y a donc des émetteurs infrarouges qu'il peut capter. Malheureusement, une fois que la lumière commence à tomber, le casque a tendance à perdre le suivi des manettes. Et la seule solution qu'on peut avoir à l'origine, c'est évidemment d'éclairer la pièce le plus possible. Mais honnêtement, vu la période dans laquelle nous sommes, si on peut gagner un petit peu au niveau électrique, au niveau éclairage, ça fait pas de mal du tout. Surtout que lorsque vous êtes dans le casque, et ben tout ce qui se trouve autour de vous, que ce soit lors de sessions de jeu ou même si vous avez envie de vous taper un petit film en mode cinéma géant dans votre casque, ben, il faut être honnête, la lumière qui est autour, elle n'est pas très utile. Alors ce principe, vous le connaissez peut-être déjà, vous l'utilisez peut-être déjà, soit parce que vous êtes des utilisateurs de la Beagle, soit parce que vous avez un autre système, une caméra à vision nocturne. Je vais vous montrer en gros ce que ça donne avec une caméra qui est déjà équipée en vision nocturne. Eh bien, ça vous permet, par exemple, ici, en étant dans le noir complet, de pouvoir voir ce que fait votre imprimante. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, c'est un système de LED. Ici, c'est la Beagle qui est normalement à la base en surveillance de l'autre imprimante. Et si vous regardez ici au niveau de ma petite caméra Wi-Fi, qui est posée sur un magnifique support, il faut se l'accorder, eh bien, vous avez une zone ici qu'on voit tout en blanc. C'est tout simplement les LED qui sont dans la caméra et qui projettent une lumière infrarouge et qui lui permet du coup d'éclairer ce qu'on veut regarder. Le capteur reçoit cette lumière et donc vous avez l'affichage de l'image. Il existe bien évidemment sur le marché des petits spots infrarouges qui sont prévus à la base, soi-disant pour l'Oculus, pour le Quest, ça a un certain prix. Je me suis lancé dans l'idée de réaliser mes propres spots. Je les ai trouvés sur AliExpress et j'ai modélisé le support via Fusion 360. Et finalement, bah, c'est très simple à faire, c'est très simple à monter, ça coûte pas très très cher et c'est ultra pratique. Et puis ça donnait une occasion de faire quelque chose avec Fusion. Et encore une fois, ben, tout simplement de faire ça soi-même, de l'imprimer soi-même. Du coup, voilà, ça c'était l'idée de base. Je vais vous faire une démo du spot pour son utilisation en ce qui me concerne première, donc c'est-à-dire l'utilisation via le casque. Donc voilà, pour vous faire une petite démo vite fait. Donc là, j'ai éclairé donc du coup la pièce et vous voyez que tout simplement le casque, bah, arrive très bien à suivre ce qui se passe. Alors là, évidemment, mes manettes sont posées. Vous inquiétez pas si vous connaissez pas les lignes qui sont ici, qu'on voit, hein, c'est tout simplement mon gardien. C'est une zone qui est définie. Ça m'évite de taper dans les murs, dans les meubles et tout ça. Donc, dès que je m'en approche, il me les indique. Et comme là, les manettes sont dedans, hop, voilà, si je le retire, voilà, ça a disparu. Donc, je le prends en main, c'est plus facile pour vous montrer et j'ai l'air moins bête. Et je vous ferai peut-être le petit plaisir à la fin de cette vidéo pour vous moquer de voir en train de jouer. Mais bref, l'intérêt ici est donc évidemment en plein jour que ça fonctionne bien. On va dire que voilà, c'est la lumière naturelle. Mais à partir du moment où on éteint toutes les lumières, voilà ce qui se passe. Il nous met un petit message comme quoi il y a une perte de suivi. Et comme vous voyez sur ma cam, eh bien, je suis pratiquement dans le noir. J'ai vraiment le reflet des écrans qui m'éclaire. Si j'éteins le deuxième, voilà, c'est un petit peu plus sombre.
Et là, du coup, il a perdu complètement le suivi. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on voit à travers la caméra. Je vais le poser comme ceci, à côté de moi. Je vais le tourner un petit peu comme ceci. Et vous allez voir que là, il va normalement reperdre, évidemment, le suivi des manettes. Enfin, le suivi en général, si je rééteins donc, toutes les lumières. Donc vous voyez, on a à nouveau droit au message, comme quoi il a perdu le suivi et qu'il manque clairement de la lumière. Donc là, ce que je vais faire, par contre, vous voyez que moi, à mon niveau, il n'y a pratiquement plus de lumière. Et ce que je vais faire, c'est du coup brancher le petit spot en IR que j'ai dans les mains. À mon niveau, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. J'ai toujours le même type de lumière. Surtout que là, vous me voyez parce que j'ai vraiment un des écrans qui est allumé. Par contre, lui, au niveau du suivi, eh ben, il a repris tout simplement parce que le spot éclaire suffisamment. Alors, vous allez voir, c'est marrant. Déjà, vous voyez à peu près ce que ça donne si je passe le spot comme ça partout. On dirait vraiment que j'ai une lampe torche. Mais si je la mets là, elle est dirigée vers moi. Alors, je vais mettre le casque un peu vers moi, comme ça vous allez voir le truc. Vous voyez la différence, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir une grosse torche qui est dirigée vers mon visage, mais en fait, sur la webcam traditionnelle, on ne le voit pas. Là, je vais le retourner vers le casque, et vous allez voir, vous voyez, hop, c'est vraiment ultra puissant. Ouais, même, vous voyez, il y a même moyen de voir son ombre contre le mur. Voilà, donc j'ai remis mon petit éclairage pour qu'on me voit déjà un petit peu mieux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu plus en détail sur le matos, le montage. Vous allez voir, ça prend vraiment 3 minutes. Et puis, bien sûr, dans quel cadre ça pourrait servir à autre chose que le casque, car évidemment, tout le monde n'a pas un casque VR. Et l'idée de cette utilisation-là, vous allez voir qu'il est possible, au niveau des imprimantes, au niveau de ce qui nous entoure, de l'utiliser d'une autre manière, et même via une webcam plus traditionnelle. Donc voilà, au niveau du montage, vous allez voir que c'est ultra simple. On a ici donc le disque avec les LED. À l'arrière, on a le branchement du connecteur. J'ai la petite fiche pour amener les 12 volts, et je vais juste les souder dessus. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais mettre un peu de gain thermo pour d'assurer tout ça. Maintenant, je vais tout simplement le faire rentrer dans la sphère. Comme ceci, je viens rebrancher les LED. Celui-ci vient très bien s'emboîter dedans. On lui met la petite bague au cas où autour. Bien coincé dedans. Et on vient le placer ici. Hop. Et voilà, on a notre petit spot qui est terminé. Alors évidemment, on va le tester. Que ceci, si j'éteins les lumières, je vais commencer à le voir. Voilà, qui s'active. Alors oui, le petit point qu'il y a juste ici, c'est le détecteur de lumière. Donc le spot ne s'allumera que on a besoin s'il y a une perte de lumière suffisante pour le mettre en route. Donc voilà, niveau montage, voilà, c'est terminé, c'est fini. Alors bien sûr, les fichiers, si vous intéressent, si le petit spot comme ça vous intéresse, je mettrai évidemment tous les fichiers dispo. Ça se retrouve dans la description, vous trouverez tout ce que vous avez besoin, autant pour l'imprimer que pour le disque de LED et pouvoir le refaire. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples hors celui du casque, dans lequel ça peut être utile. Vous pourriez par exemple avoir des caméras, des webcams qui vous servent à rien, qui traînent dans un tiroir et qui de base ne sont pas des visions nocturnes. Je vous mets une petite vidéo ici sur le côté pour vous montrer parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié de garder les fichiers. Donc c'est une vidéo de TikTok que j'avais publiée où je vous montre en fait le démontage, la conversion de cette caméra en caméra de vision de nuit. Alors c'est très simple à faire, mais ça ne marche pas avec toutes les caméras. En fait, tout bêtement, sur tous les capteurs, il y a ce qu'on appelle un filtre infrarouge. C'est ce qui permet, en fait, comme ici, de voir la version couleur. Elle stoppe une certaine fréquence de lumière qui fait que ça ne laisse passer que les couleurs comme on a l'habitude de le voir. Si vous retirez ce filtre, eh bien, vous allez passer sur une version infrarouge, mais étant donné qu'elle n'est pas prévue à la base pour ça, elle ne possède pas les fameuses petites LED
comme ceux qui sont dispo donc, et qui permettent de voir dans le noir. Alors attention, parce que ça marche sur presque toutes les webcams que vous pourriez avoir, mais il y a quand même une petite chose à faire attention. C'est qu'une fois le filtre infrarouge retiré, la mise au point est déplacée. Donc, par exemple ici, c'est une petite webcam que j'avais trouvée chez Action. La focale est fixe, donc ça ne fonctionne pas très bien. C'est la caméra qu'il faut déplacer pour refaire la mise au point. Tandis que si vous avez une webcam qui a un autofocus par exemple, là ça peut très bien fonctionner de retirer ce petit filtre et de vous faire des petits spots comme ça pour aller avec. Ça vous évite d'acheter des webcams vision nocturne si vous en avez qui traînent dans un carton. Du coup voilà, à ce niveau-là j'ai fait le tour, je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer et pourquoi j'avais fait ce projet. Là je vais encore vous montrer quelques images réalisé grâce à ce système. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.